Je suis arrivé ici en Arménie, à Erevan, avec une délégation pour apporter une aide humanitaire d'urgence. Le président de la République, Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont souhaité une action forte. Et grâce à la mobilisation du centre de crise, grâce à la mobilisation des associations de solidarité avec l'Arménie, ce sont du matériel médical, du matériel électrique, des biens de première nécessité qui ont pu être acheminés par ce vol humanitaire. Et je suis accompagné par Youri Djorkaeff, par Christina Starksian de la Fondation Aznavour, et nous allons continuer cette action dans la durée. Le président de la République souhaite également que la France soit active pour obtenir un cessez-le-feu patrimonial. Il y a un patrimoine au Haut-Karabakh, dans les districts adjacents, qui est fantastique, qui doit être préservé, et nous ne ménagerons pas nos efforts avec l'UNESCO, avec Alif, pour y participer. Ensuite, il y a eu un accord de cessez-le-feu. Il a permis de mettre fin à cette spirale de mort. Mais cet accord, il y a un certain nombre encore de points qui restent dans des zones d'ombre. Eh bien, la France, avec le groupe de Minsk, demeure mobilisée pour obtenir un règlement politique durable de cette crise, et puis pour obtenir des précisions. Le retrait notamment des mercenaires syriens qui ont été envoyés sur ce front, ce qui est inacceptable, et puis permettre aussi le retour des personnes qui ont dû fuir. C'est une action d'ampleur que la France souhaite conduire sous l'égide du président de la République. Il y a une tradition d'amitié, de solidarité entre nos peuples. Elle s'exprime de façon très concrète, aujourd'hui tout particulièrement.